Vous êtes sur RTL. Il est 19h. Les informations, Sébastien Houxel. On l'a pris pendant plusieurs heures pour Xavier Dupont de Ligonnès. Guy Joao, l'homme arrêté à tort par la police écossaise hier soir, a été relâché, Marie Billon. Et oui, la police écossaise a confirmé dans un communiqué qu'elle a publié il y a une petite heure, Guy Joao a bien été relâché. Il n'a pas voulu s'exprimer en sortant du commissariat. Ni lui ni ses proches ne feront de déclaration. Il faut dire que Guy Joao a passé une nuit entière en garde à vue, accusé d'être l'homme le plus recherché de France, pendant que sa famille attendait de savoir ce qu'il allait advenir de lui depuis leur maison de Dunoon. Et c'est vers cette petite ville de 5000 habitants, au bord d'un de ces fameux lacs écossais, le Loch Long, qu'il se dirigerait en ce moment. Un épilogue aux très longues 24 heures, voire 30 heures qu'il vient de vivre. Marie Billon, correspondante de RTL au Royaume-Uni. Il s'agit donc d'une nouvelle fausse piste dans la traque de Xavier Dupont de Ligonnès. Ce sont des analyses ADN qui l'ont confirmé à la mi-journée. Xavier Dupont de Ligonnès, porté disparu depuis 8 ans désormais, il est soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants à Nantes en 2011. Journée de mobilisation en soutien aux Kurdes aujourd'hui. En France, plusieurs manifestations étaient organisées à Strasbourg, Marseille ou encore Paris. Et à chaque fois, des centaines, voire des milliers de personnes pour dénoncer l'offensive turque contre les positions kurdes en Syrie. Eux réclament plus de transparence. Plus de 2 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol, entre 1000 et 2000 personnes ont manifesté cet après-midi à Rouen, dans le cortège des syndicats, des politiques et de simples citoyens. Autre mobilisation aujourd'hui, celle des agriculteurs touchés par l'incendie de cette usine chimique. Une vingtaine ont déversé environ 15 000 litres de lait près de la préfecture de la Somme à Amiens. Un signe de protestation alors que leurs produits restent consignés malgré des analyses conformes à la réglementation. L'objectif, relancer la droite à l'approche des élections municipales. Les militants, les Républicains, voteront à partir de 20h pour élire leur nouveau chef. Ils ont jusqu'à demain soir 3 candidats en lice pour succéder à Laurent Wauquiez, Guillaume Larrivé, Julien Aubert et Christian Jacob. Le bilan très provisoire s'alourdit au Japon, frappé en ce moment même par le puissant typhon Agibis. 2 personnes ont déjà été tuées, au moins 3 sont portées disparues et une 30aine ont été blessées. Conséquence sportive de ce typhon, 2 matchs de Coupe du Monde de rugby ont été annulés, parmi eux celui qui devait opposer la France à l'Angleterre. Pas de rugby au Japon, mais du top 14 en France. Cet après-midi, Bayonne s'est imposé 28-24 face à Montpellier. Et pour le moment, Toulouse mène à domicile, Patrick Hisson. Oui, à 17 minutes de la fin de cette rencontre, c'est le Stade Toulousain qui mène face à Castres dans ce derby sur le score de 26-12. Et 2 essais à 0 pour les Toulousains, des essais marqués les 2 seuls de ce match par les Toulousains Lebel et Tauzin. Merci Patrick, ils sont en direct de Toulouse. Le temps, demain, il sera quasi estival sur une bonne partie du pays avec un soleil largement dominant. Quelques averses attendues tout de même en deuxième partie de journée dans le golfe du Lion. Ciel assez incertain, voire orageux sur le quart nord-ouest du pays. Les températures, elles seront douces, entre 10 et 19 degrés en matinée. Dans l'après-midi, il fera 17 à Lorient, 20 à Laval, 23 à Nîmes, 24 à Paris, 27 à Colmar et 30 à Agen. RTL, il est 19h03. La suite, donc, fait le match spécial Eugène Saccomano avec vous, Christian Olivier. Merci Sébastien Houxel. Alors avec tes amis Eugène Saccomano autour de la table réunis, eh bien nous allons parler encore un peu de l'équipe de France, mais aussi quand même de Juninho et de l'Olympique Lyonnais. Ah, c'est certain, on va y venir, mais pour l'instant, on va faire une petite pause. On refera le match dans un instant. On refait le match sur RTL. À tout à l'heure. On refait le match sur RTL. Quand j'ai rencontré...